Déroulement de la cour. Ok, d'accord. Bon. Voilà la jeunesse qui est pour l'instant venir. Téléphone, tout va bien. À la formation du Sémont-Verdier, il rappelle, j'ai dit comment que ça se passe. Oh, il me dit, je ne sais pas, qu'il me dit, Eric qui pleure sur le trottoir. Il a une couverture de survie sur lui. Sa jeune carrière jusqu'à aujourrui, il est grand favori maintenant. Il est en tête, attention derrière. Et après, on l'a vu en bronze. Il avait tout arraché. C'était où ça? C'était où? Quand? Une nocturne. Le 3 juin 2008. Le mardi 3 juin 2008. Je me rappelle. 2010, ça fait 7 ans. Le 3 juin 2008. Le blaché s'est déplacé. Le champagne, il est au frais. Ce jour-là, on était déboussolés. On a vu. Un peu tout passe. Pour une première fois, on ne voit pas. Impossible. Bon, on se dit avec papa, bon, peut-être qu'on a mal vu parce que ça va vite. On passe une deuxième fois, non, on a toujours pas là, on se dit, il y a un problème, il y a quelque chose. On voyait plus l'ambulance, donc on s'est dit, il y a eu quelque chose. Puis papa, avec son pessimisme légendaire, il est tombé. Je cours. Et là, au bout, je vois une meute, bord de la route, un mec par terre. J'arrive, des chaussettes de la française des jeux, je me suis dit, ça c'est unique. Et mon mari, il me dit jamais j'ai vu ça. Il dit par terre. Oui, je sais, la jambe comme elle ça. Elle était complètement de l'autre côté. La jambe comme ça, et lui qui crie par terre. Ah, me faites pas mal, j'ai la jambe cassée. Oh là là. Trois mois sans mettre le pied par terre. Là, c'était fini. Bah, logiquement, il n'aurait pas dû revenir. Puis après, ils l'ont embarqué dans un truc comme ça. Après, ils l'ont embarqué dans l'ambulance. Il qui fait. Me faites pas mal, j'ai. Que je perds pas mes boulots, me fait pas mal. Elle est comme ça. Elle était à la tête. C'était fini quoi. Voilà. Avec courage. Broche. Courage monstre. Ah oui. Il s'est bien remis. Ah oui. Miraculeux. Voilà, après. Miraculeux. Ah, ils sont dernier. Regardez comment ils sont dernier. Fait le marathon des sables, il fait tout ce qu'il faut depuis 2009. Le docteur, il vous dit, vous savez, le vélo. Patient. Le seul problème, c'est un truc qui est. Eric sans problème, sport, sans vélo, ça m'a dit. Le problème, c'est qu'il est tombé sur un mec qui s'appelle Eric Le Blacher. Eric, c'est ça le problème, quoi. Eric sans vélo, c'est. Ah bah oui.